Pour moi, l'école, ça sert à s'instruire et à avoir un métier plus tard. S'il n'y avait pas l'éducation, on n'aurait pas de bon métier, on serait sûrement derrière eux en train de traîner. L'école, c'est pas trop mon truc, mais parce qu'il faut se réveiller tôt le matin, mais sinon c'est bien, t'apprends des choses. Et comme ça, pour ton avenir, t'es pas à la rue. L'école, ça sert à fonder son opinion, à dire ce qu'on pense. L'éducation, pour moi, ça sert à vivre en communauté. Sans l'apercevoir, on apprend des choses aux gens et les gens nous apprennent des choses. Ça nous permet de rencontrer des gens très intéressants qu'on n'aurait pas forcément rencontrés. Pour moi, s'il n'y avait pas l'éducation, notre pays serait défavorisé. Personnellement, j'aime pas trop aller à l'école. Mais quand je suis passée au collège, ça m'a appris à réfléchir tout seul, à ne pas tout le temps demander à mes parents « Ah, ça sera quoi, ça sera quoi ?» Alors que maintenant, je le sais. Et l'école, ça sert finalement. Pour répondre à mes questions, m'a posé. Ok, yo élève, ok. Stevenson, dal touché pour moi lettre M. Lettre M, est-ce que c'est ça? Nous d'accord avec Simone? Nous d'accord avec non, retournez à ta place. Ok. Lettre lettre M. En Haïti, l'État n'assure la scolarisation que d'un enfant sur 10. Alors pour l'éducation, les villages s'organisent eux-mêmes avec leurs faibles moyens. Mais trop d'enfants restent encore à la porte de l'école. Pourront-ils, eux, choisir un métier? À Phnom Penh, au Cambodge, la pauvreté pousse dans la rue des milliers d'enfants, obligés de travailler pour survivre. Ont-ils une chance de s'en sortir, sans savoir lire, écrire et compter? En Afrique, des millions de filles ne vont pas à l'école, pour la seule raison qu'elles sont des filles. Qui leur ouvrira les chemins de la liberté? Quel avenir pour ces enfants sans une éducation de qualité adaptée à leurs aspirations et aux exigences d'un monde ouvert? Quel avenir pour les villages sans école, au Laos, au Niger ou à Madagascar? Quel avenir pour les millions d'enfants dans le monde en âge d'aller à l'école primaire et privés de ce droit fondamental? Au Niger, sur 100 enfants que vous envoyez au CI, au cours initial, pratiquement vous avez moins de 10 qui terminent. Dans les pays sous-développés, un enfant sur deux sort de l'école sans savoir ni lire ni écrire. Il y a plein de choses aujourd'hui qui limitent l'accès des enfants à l'école. Comme les parents qui sont majoritairement très pauvres, ils sont obligés de faire travailler les enfants pour aider à trouver quelque chose à manger. En plus de ça, il y a des pratiques, pratiques culturelles telles que l'excision, telles que le trafic, telles que le placement d'enfants, telles que le mariage forcé. Je ne pense pas qu'il y ait un seul domaine qui n'ait pas besoin de l'éducation. On peut faire l'éducation à la santé, à l'environnement, à la vie familiale, à tout. En fait, je pourrais dire tout simplement, qui est-ce qui est devenu ce qu'il est sans un enseignant? Les freins à l'éducation en Afrique et dans les pays en développement en général sont, à mon avis, de quatre ordres. Il y a les freins qui sont liés à la pauvreté, il y a les freins qui sont liés aux facteurs culturels, il y a les freins qui sont liés aux facteurs politiques et il y a les freins qui sont liés au système de financement de l'éducation dans les pays du Sud. Il y a d'abord les freins qui sont liés à la pauvreté. Nous savons que la pauvreté a aujourd'hui une grande influence sur les questions de développement en général et sur l'éducation en particulier. Aujourd'hui, dans n'importe quel village en Afrique et principalement dans les pays de l'Afrique au sud du Sahara, nous constatons que les ménages n'ont pas les moyens suffisants, n'ont pas de revenus suffisants pour subvenir aux besoins éducatifs de leurs enfants. Le coût de l'école est assez élevé. Les parents préfèrent envoyer leurs enfants faire des activités économiques pour survivre au
question de pauvreté que de mettre les enfants à l'école. Donc la pauvreté est une grande question aujourd'hui par rapport à l'éducation. Il est évident que l'éducation va permettre de lutter contre la pauvreté. Mais avant, il faudrait mettre les moyens pour permettre justement à ces familles d'éduquer leurs enfants pour qu'ils puissent mieux participer au développement local. Je trouve que si on n'est pas allé à l'école, c'est comme si la vie n'avait pas de sens. Quand on n'est pas allé à l'école, la vie est très dure. Les gens te rabaissent sans s'en rendre compte, même ton entourage. Le temps de l'enseignement ne dure pas longtemps, c'est bien. Maintenant, ce n'est plus un problème d'envoyer un SMS ou de faire un compte. Maintenant, je me sens plus indépendante et équilibrée. À Phnom Penh, les éducateurs de l'ONG Mit Sam Lan, partenaire d'aide et action, vont tous les jours à la rencontre des enfants des rues pour leur apporter une éducation de base et tenter de les insérer dans le système scolaire. Le second frein, c'est le frein qui est lié au facteur culturel. Il n'y a que la question des traditions, la question des pratiques traditionnelles est aussi un frein à l'éducation, notamment à l'éducation des filles. Culturellement, nos populations investissent plus sur les garçons que sur les filles. Et deuxième chose, c'est que les filles sont utilisées culturellement à des tâches qui sont des tâches plus rentables pour la famille. Troisième chose, dans nos pays, on pense que la fille est faite plus pour tenir le ménage que pour participer au développement de manière générale. Alors, c'est un grand frein qui ne peut être vaincu que par l'animation, que par la sensibilisation, mais aussi par le processus d'éducation de ces populations, permettant aux populations de comprendre l'utilité des femmes et l'importance des femmes dans le processus de développement. Maintenant, c'est vraiment un exemple d'avoir une enseignante dans les villages. Ça encourage les populations à envoyer leurs enfants à l'école. Ça montre l'utilité de la femme, que la femme ne doit pas toujours avoir comme activité les travaux ménagers et les choses comme ça. La femme peut aller à l'école. Tout ce que l'homme peut faire, la femme peut le faire. Sans avoir été à l'école autrefois, on a envie d'y aller maintenant. Par exemple, sans connaître aucun caractère, on ne peut pas distinguer les WC. Ou bien quand je cuisine, la sauce soja de la sauce vinaigre. À part avec le goût, car l'une est salée et l'autre acide. Grâce au cours, on peut distinguer le vinaigre et aussi la sauce soja. Avec cette classe, les femmes peuvent écrire et compter à l'extérieur. Cela a une portée immense, leur vie en est changée. On a un meilleur statut, on peut s'occuper soi-même de ses affaires, on est plus indépendante. Troisième frein, c'est un pays qui, au niveau politique, n'a pas mis en place les mécanismes qui puisse lui permettre d'atteindre les objectifs d'éducation pour tous. Il est évident que ce pays n'a pas mis l'ensemble des éléments lui permettant de favoriser l'éducation des plus pauvres. Et c'est en ce moment donc qu'on peut assister à de la discrimination dans l'éducation, ne permettent pas aux plus pauvres, n'est-ce pas, d'avoir accès à leur droit fondamental qui est le droit à l'éducation. On s'est rendu compte qu'apporter des matériels, ça ne suffisait pas. Que permettre à un enfant d'aller à l'école, en construisant une école, en lui donnant des livres scolaires, ça ne suffisait pas. Et que ces écoles, même si certains enfants étaient quand même venus dans l'école, très souvent ils n'y restaient pas. Que le
désir de mettre son enfant à l'école n'était pas forcément une priorité et que l'éducation n'était pas forcément une priorité pour les parents, nous, nous appuyons et nous accompagnons les parents d'élèves ou la communauté ou l'État ou différents acteurs en leur donnant les moyens eux-mêmes d'élaborer leur projet et de le faire. C'est simplement le fait qu'eux agissent et que nous, nous les accompagnons tout le long de leur projet. C'est ça, le développement. Pour que le développement soit efficace, il faut que tous ensemble, nous soyons solidaires. C'est-à-dire accompagner ceux qui agissent sans faire de l'assistanat. Ensemble, on fait mieux les choses que quand on se divise et c'est mieux. Il faut essayer et réessayer, mais il ne faut pas abandonner. C'est ça la solidarité.